au dernier écart, messieurs, qui était porté aux 37 secondes, que ce soit avec, sur l'ouverture, cette fois-ci, l'armée qui était en première ligne. Passage, messieurs, nous sommes à 5 de la nouvelle et 5 de la le coureur de la formation de Louvier qui conduit la manœuvre pour celui qui a été le deuxième cette année sur l'organisation. Le coureur du guidon Chalet-Trois qui se rend en embuscade, associé également avec le 20e de service, puisque le passage pour les uns les autres, ça concerne Adrien Le voilà le 20e pour celui qui a été le troisième à plusieurs reprises des championnats de France sur piste. On effectue également sur le devant du peloton par le pied notamment des coureurs des protégés de Marcel Rowe. Messieurs, pour l'arrivée, 5 tours messieurs pour l'arrivée. Allez, Thibaut. Allez, bonne liste. Avec une avance pratiquement de la minute en l'occurrence avec 20 euros à faire valoir, deux parts sur la ligne avec le sprint qui va être conduit très très loin. Ce sera la prime avec 20 euros, deux volets sur la ligne, les 15 et les 5, dernier écart messieurs, 55 secondes, une bagarre de tous les instants avec notamment donc sur le devant de la ça va très très vite avec Mathis Lebert, celui qui avait été champion des Côtes d'Armor, celui qui a remporté 4 victoires cette année, qui avait été également le lauréat sur le Grand Prix de Douai. Passage messieurs, 4 tours du mois. Je rappelle l'identité des coureurs de tête avec Célestin Cadoré, le porteur du dossard numéro 5 de la formation de la Célanester à 56. On peut citer également sur l'ouverture. Nous sommes notamment avec Ewen Simon qui se cherchait un tout petit peu depuis ce début de saison. Le coureur de l'enfant du Moulin Neuf associe très donc nos élites de l'Oplet à Tassiné, le coureur des protégés de Marcel Rowe qui était sur la conduite de ce peloton avec Baptiste Le Chalet-Roux et le coureur en dossard numéro 88, Hugo Tanguy qui est bel et bien sur les avant-postes. Et il y aura le classement point chaud pour la tête de la course, ceci fait donc qu'on va attendre justement les coureurs de tête. Les voilà dans un petit instant, messieurs, classement animateur avec le dernier écart qui était de l'ordre de 50 secondes, on a pu faire sur les pédales. Et cette fois-ci la démonstration sans feuille avec le grand animateur au niveau de cette organisation. On pourra citer également toujours au niveau de l'échappée les deux représentants du team Sportface de la Célionnaire, ceci fait donc. Donc on va laisser le passage également pour les autres concurrents de la contre-attaque. Un peloton qui est scindé cette fois-ci en plusieurs parties, que ce soit notamment avec Thibaut Derbez qui était l'an passé en deuxième position au niveau de cette organisation. Ce sera le cas. Attention également, un bidon qui était sur le côté. Associé très passage avec les Cantinets, les Valpés. Donc on est descendu après 13 secondes. Cette fois-ci, on maîtrise parfaitement la situation puisque le bonus qui est porté dès à présent en 17 secondes. Mesdames, messieurs, on a le sens de l'accueil, il a besoin de vos encouragements, ce stade de la compétition, les mains qui vont se lever, merci de les saluer, dernier écart, 17 secondes, 17 secondes avec le vice, un champion de Bretagne du contre-la-montre, le voilà donc, Thomas Guillon qui était bel et bien sur le devant de la scène,
On attend toujours la réaction avec les autres coureurs. Les voilà avec les coureurs vendéens, tout comme également avec les Morlaisiens. Premier qui pointe jusqu'à l'heure. Que ce soit avec l'attaque en tranche en dérasoir avec les One Costume, celui qui vient de remporter victoire et trappe, ce n'est pas. On évoquait tout à l'heure les 17 secondes, je crois qu'encore on restera avec vous des informations, 20 secondes, merci Arnaud pour l'information, toujours utile, dernière, 20 secondes, et voilà donc sur les derniers kilomètres. En remerciant également d'autres organisateurs qui ont fait le déplacement, nos amis de l'enfant qui rappellent le championnat départemental de l'avenir. Ce sera le 4e dimanche du mois de juin. Passage également avec les sociétaires du Melo Club Catinet, passage à un tour de l'arrivée. Que ce soit avec Baptiste Michelin, le vainqueur du Mathieu, prochain tour de l'arrivée. Messieurs, on va l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Le voilà, superbe arrivée avec Thomas Guillon. La nouvelle victoire pour celui qui a été le lauréat, notamment cette année sur le Tour de Pontivy. C'est l'arrivée dès à présent avec un sprint qui est lancé de très loin avec un costume qui sera débordé. Regardez le sprint, magnifique avec le coureur vendéen, Le Drôme, qui était en deuxième position. Félicitations de la même courage pour l'ensemble de ces coureurs. Les moteurs pour les faire chuter. Moins de l'entente du Moulin Neuf et Wen s'enchir la ligne. C'était le sociétaire du team Sport Race qui a été pratiquement pris en défaut avec les autres coureurs. Au du moins, on était ici avec Gaëtan Genzer. À ceci près également, les autres arrivés au sprint pour les dernières places d'honneur de l'après-midi. Les voilà notamment avec les Quintineilles. Ça a été délicat pour ce qui est de l'arrivée, mais en revanche, ici, à Baptiste Le Chanu, le voilà, l'ancien vainqueur du Hinglé, celui qui avait brillé également du côté de Plouran. À notre peloton, que ce soit avec cette fois-ci, ce sera le team Sport Braze, assez Leonard et le Velos Vente. En première position au niveau de ce peloton, le Velos Vente, on était avec Louison Trégouette pour celui qui avait été le lauréat à Plétan, mais également à Plessala, 8e saison. Il y avait eu initialement la victoire à Pontivy, la victoire d'étape également au niveau de cette organisation, la remis de calque également du côté de Missyriac. Là, c'est la 4e victoire au moins depuis ce début de saison. Là c'est la 3e, j'arrivais bien, les chronos, je faisais de bons chronos, mais sur les courses, j'avais un peu plus de mal. Les ambitions pour les semaines à venir, après cette brillante victoire sur le Trans Braze de l'avenir, les ambitions justement pour les prochains rendez-vous? Là il y a le Tour de l'Heure avec mon comité 35, j'ai envie de bien faire. C'est une belle course, c'est une belle organisation, et après il y a la Coupe de France en Bretagne, donc j'ai envie de bien faire, et on verra après pour ce qui est. Notamment au niveau du championnat de France du contre-la-montre, est-ce qu'on pourrait viser, je ne sais pas, un podium ou un titre de champion national? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je vais travailler pour être en forme à ce moment-là et faire la meilleure place possible. Pour l'instant, c'est bien parti. Oui, je sais. Merci, vous pouvez l'encourager à votre manière. Merci de l'applaudir. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, on va l'applaudir encore plus fort. Thomas Guillon, mademoiselle, nous sommes avec Vivian Le Dreux. On l'accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir très, très fort. On a le sens de l'accueil en Bretagne. Deuxième, est-ce qu'il y a un peu de déception dans l'air à l'arrivée? Oui, on n'a pas eu le temps de réagir au bon moment où il est parti. On était tous un peu durs et. C'est dur parce que je savais qu'une bosse comme ça, enfin un sprint comme ça, ça sentait bon, mais c'est comme ça. Vous étiez combien de Vendéens justement au sein de l'échappée? Vous étiez nombreux sur les derniers kilomètres? Alors on était deux dans l'échappée de 12, dont moi, et après ils sont trois à être rentrés avec le compte, donc c'est vrai que ça nous a un peu soulagés. On se disait que les Vendéens allaient peut-être gagner, mais il y a eu l'attaque au tranchant du rasoir avec le Rennais. Est-ce que tu l'as vu attaquer? Personne n'est photographe. Oui, je l'ai attaqué, je fais un peu loin. Je me réservais un peu pour le sprint, comme on savait que j'allais vite. Donc je traînais en 10e position, il est sorti devant de face et on ne pouvait rien faire. J'ai cité quelques-unes de tes victoires, notamment chez les cadets. Alors ton meilleur souvenir depuis tes débuts en compétition, c'est lequel? Je vais quand même dire vice-champion de France de poursuite par équipe l'an dernier.
même si c'est que deux, c'est quand même quelque chose de monter sur un podium national. Merci, bonne continuation, on va l'encourager, vous pouvez l'applaudir très très fort, Julien Ledru qui termine quant à lui en deuxième position. Cette fois-ci le troisième, on va revenir du côté de la Bretagne et notamment du côté du Finistère. Gauthier Guéguin, le carésien du team Sport Braise à Saint-Léonard. Merci de l'applaudir très très fort. Merci à lui. Gauthier, troisième, c'est un bon résultat. On t'a vu notamment quatrième sur le Tour de Pontivy. Alors aujourd'hui, comment ça s'est passé la journée? Ouais, bah d'abord Mathis Devers et Dimitri Soulaba, ils sont sortis. Après, on est revenu sur eux au kilomètre 40 peut-être, je crois. Et après, sur la fin, il y a le compte qui est rentré. Et sur la fin, Thomas Guillon était vraiment plus fort. Quand il est sorti, il n'y a que Ewan Kotsul qui a réussi à rentrer. Et moi, j'ai plutôt opté pour le sprint, comme je savais que j'ai une bonne pointe de vitesse. Donc voilà, c'est podium aujourd'hui. Donc j'espère que la gagne ne va pas tarder à arriver. D'autant que l'an dernier, déjà, on t'avait vu sur les avant-postes à Montpinchon, à Plouet, sur les épreuves fédérales junior. Oui, voilà, oui, les épreuves de fin de saison. J'étais plus frais à cause de ma blessure au genou avril-mai, donc j'étais revenu plus frais en fin de saison. Est-ce qu'il y aura des ambitions également sur le championnat de Bretagne des sociétés du côté de Trébrivant? Oui, voilà, le championnat est à 5 minutes de la maison, donc on va essayer de faire avec le team, on a préparé ça, donc j'espère que ça va payer. Notamment pour la victoire, est-ce que c'est possible? Oui, voilà, après, sur un championnat, tout peut se passer, donc j'espère qu'on ne sera pas loin de la gagne. Merci à toi, merci, on va te remercier. Vos applaudissements pour le troisième, s'il vous plaît, Virginie Courny pour Gauthier Guéguin du team Sport Braise de la Saint-Léonard. Alors, ton sentiment de la journée, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'était une belle course, après j'en ai peut-être fait un peu trop, et à la fin, ça s'est fait comme ça, j'ai pas réussi à bien faire un sprint, mais bon, c'est pas grave. Pour autant, c'est bon pour le moral, j'étais un peu coupé au niveau du micro, mais c'est bon pour le moral pour autant de se retrouver sur les avant-postes au niveau d'une telle épreuve. Ah oui, ça m'a fait plaisir parce que ça me réconforte sur ma forme du moment et j'espère que ça va être mieux encore les prochaines courses. Merci, bonne continuation, merci de les applaudir. À ceci près, la remise de l'écharpe du trophée du Crédit Agricole. Le championnat de Bretagne au point, remise, ça va concerner justement le vainqueur de la journée. On sera avec Thomas Guillon, la remise de l'écharpe, de nouveau.